Et Yum Slime CGX, donc aujourd'hui on se retrouve pour une box. Bah là on dira pas une déchetterie, mais c'est bien un siège clim, donc voilà, ça prend de la place. Ça fait longtemps qu'il est là, je vais l'unbox. Et puis voilà, je me suis cassé la gueule plusieurs fois dessus. Malheureusement, c'était dans la nuit, je suis passé comme ça, et là, je me suis affalé comme ça. Aujourd'hui, bah on va l'ouvrir, puis voilà, on va tester un petit peu le siège. On va voir s'il est de qualité. Merci Clim pour m'avoir envoyé ce colis. N'hésitez pas à check dans la description. Vous avez un petit code de réduction pour tous les produits sur la boutique. Là, on n'est pas dans ma chambre, on est dans mon salon parce que bah ça prend quand même de la place. Et j'ai pas eu la foi de le stocker dans ma chambre parce que sinon, ça allait anéantir carrément ma chambre. Du coup, on va l'ouvrir. Et puis, on va voir. Je vais galérer, je pense, à le monter. Mais voilà, il est lourd. Hein. Vraiment, il est lourd. Je crois que ça fait 20, 28 kilos, un bail comme ça. Mais c'est très lourd pour un siège, je trouve. Bon, on va voir ça. Et puis, on va voir un petit peu si c'est de la qualité ou pas. Ok, donc j'ai pris un couteau pour pouvoir ouvrir ça. Alors. Ok, je vais repasser une deuxième fois. Là. Hop là. Voilà, alors, qu'est-ce que ça donne? Il est vraiment, vraiment lourd. Je peux tenir dedans, limite. Voilà, je tiens dedans. Hop. On prend le couteau. Ça, c'est à moi. Et puis on va voir. Ok, j'ai fait quelques. Heureusement qu'il y avait ça. Okay. Parce que j'ai fait quelques trous. Bon, j'ai fracturé un petit peu la boîte, mais c'est pas grave. Hop. Alors. Ok. Déjà, alors, un point que j'aime bien, déjà, c'est que c'est bien brodé, tu vois, c'est pas juste imprimé, c'est bien brodé. C'est du fil, c'est comme les logos Nike, je sais pas si vous voyez un petit peu. C'est bien brodé, c'est du fil. Avec cuir, après je sais pas si c'est du vrai cuir ou pas, mais c'est tout de même bien. Je vais galérer à enlever tout ça. On prend ça, le petit coussin qui est dans du papier bulle. Alors, ça sent vraiment le neuf, hein. Vraiment, il n'y a pas à douter. Donc, deuxième coussin comme ça, ça sent vraiment bon, réellement. Ça sent le neuf, je sais pas comment expliquer, mais ça sent le neuf. Ok, donc c'est en cuir, on va dire. Logo brodé ici aussi. Et. On balance, on met de l'autre côté pour mieux assembler. Clim, toujours des petites références. Vraiment assez sympathique. À chaque fois, ils mettent des cartons, des petits autocollants, des trucs comme ça. Enfin, alors des notices, on va dire. Toujours enveloppe Clim, comme j'ai dit. Encore une référence, on va dire. Vraiment assez sympathique. Le packaging est vraiment bien foutu chez Clim. C'est vraiment ça qui est cool. Du coup mec, là j'ai la flemme de le monter, donc du coup je montrerai plus tard, mais du coup il y a toutes les pièces là. Ça fait grave du bruit. Bref, voilà, on se retrouve plus tard quand je l'aurai monté parce que là j'ai vraiment la flemme. Et donc on se retrouve quelques jours après parce que j'ai eu un peu la flemme de le monter et j'ai dû me faire aider. Alors du coup, pour ça on va faire une petite comparaison avec par exemple celui-là. Alors, celui-là déjà il a un peu plus façon cuir, vous pouvez le voir, il est plus façon cuir que l'autre. L'autre est un peu plus tissu. Et lui, quand on s'assoit dessus, écoutez bien, on dirait un DX Racer en fait, un Daddy. Voilà. En fait, c'est quand on le bouge, on dirait un peu plus un DX Racer. Mais sinon, il est bien. Après, il faut savoir que c'est une taille, on va dire, petite. Enfin, il y a taille normale, petite, et taille un peu, genre, si vous faites 2 mètres, et 2 mètres, 200 kilos, alors, il y a un truc pour vous. Et du coup, bah moi, j'ai choisi la petite taille, bien sûr. Et bah du coup, voilà. Enfin, la petite taille. La taille normale, en fait. Parce que si j'en avais un énorme, ça sert à rien. Déjà que j'ai galéré à le faire passer. J'ai galéré à faire passer par la porte. Mais bref, c'est pas grave. Alors, du coup, bah il est vraiment, bah franchement, il est clean, hein. Franchement, il est clean. Il y a juste là qui a été tapé pendant le transport. Donc voilà, ça a été tapé, mais à part ça, il est nickel. Il est en cuir bien sûr. Il manque le petit coussin. Il y a un petit coussin clim. Je reviens, je vais le chercher tout de suite. En fait, il y en a même deux. Il y a deux coussins en fait. Un là et un là. Donc je vais pas les mettre, mais ça c'est pour le dos, parce que j'ai, enfin si j'ai compris, je suis pas con. Et ça c'est pour la tête. Je mets là. Voilà, après tu peux le resserrer si tu veux. Mais du coup bah c'est vraiment classe. Je trouve qu'ils ont fait quand même un putain de truc. Leur marque franchement ça gère de ouf parce que genre ils font des trucs à chaque fois, genre ils essayent de voir des trucs à droite à gauche pour se diversifier et je trouve ça assez cool. Et franchement bah là déjà on est servi en qualité parce que vraiment bah c'est vraiment une chaise gaming hein, c'est pas non réellement les mecs hein. On peut aussi baisser la chaise du genre comme ça. Ah là ça va remonter, voilà. Voilà, là je la repousse un petit peu et du coup bah ça donne ça. En tout cas voilà, c'est classe. Ça prend un petit peu de place dans ma chambre, mais c'est pas grave. Et franchement bah c'est vraiment clean. C'est très très clean. Et puis voilà.
Lui, il est un peu plus silencieux et un peu plus tissu, comme vous pouvez voir. Et là, c'est plus en mode... Après, lui, il est vraiment plus large, je pense, mais les deux sont agréables, réellement. Les deux sont agréables. Et puis voilà, quoi, les mecs, j'ai rien d'autre à dire, franchement. Tout est dans la description, si vous voulez. Et puis voilà, moi, je vous laisse. Gros bisous à vous, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vais faire plusieurs vidéos pendant les vacances. Et puis voilà, gros bisous à ceux qui s'abonnent. Gros bisous aux nouveaux. Gros bisous à ceux qui passent juste. Et je vous fais plein de bisous, les mecs. Et puis, merci à ceux qui sont déjà abonnés. Et puis, à plus, les mecs.